sens que ça mord, gamin. Qu'est-ce qui mord? Les poissons, mon garçon. Les poissons, ça mord? Ouais, à l'hameçon, en principe. Ah. Quand j'avais ton âge, mon père m'emmenait une fois par mois comme ça, à la campagne. On allait pêcher, camper, vivre en communion avec la nature, rien que tous les deux. Père et fils. Ah, c'est chouette. On fait une pause? Ouais! Faute de poisson, on va se débrouiller avec ce qu'on trouve. Quand tu es perdu dans la forêt, Raymond, il y a une chose de sûre, c'est que tu ne peux pas mourir de faim. On est perdu? Non, c'est une image. Je veux dire, et c'est mon père qui m'a appris ça. Si tu regardes autour de toi, tu trouveras plein de choses à manger dans la nature. Tiens, regarde. Qu'est-ce que Dame Nature, dans son infinie bonté, a décidé de nous offrir? Hé, hey, des chips? Oui, non, ça c'est dégoûtant. Ce sont tous ces gens qui jettent des saletés. Non, moi je voulais te montrer ça. Bon. Tiens, c'est bourré de vitamines. Commence sans moi. Je vais chercher des baies juste à côté. Quand j'avais ton âge, je m'en goinfrais tous les week-ends. Oh, j'adorais ça. Oh, c'était bon. C'est croquant. C'est trop bon, les racines. Papa, on peut y aller maintenant. Où ça, mon fils? Bah, chez nous, à la maison. Ah, mais nous avons un trésor à découvrir, tu n'as pas oublié. Un trésor? Bah non, tu m'en as pas parlé. Ah bon? Mais c'est parce que c'est une surprise. Et je ne peux pas t'en dire plus pour l'instant. En attendant, je me rends compte que je ne t'ai pas encore appris à fabriquer un appo. Voilà, c'est fini. Ça sert à attirer les animaux, tu vas voir. Mais on est où exactement là-dessus par rapport au trésor? Il est pas très efficace. C'est un bout de bois en fait. Pas vraiment, non, c'est plus un genre de pipeau mais qui ne jouerait pas de musique. Ouais, c'est un bout de bois quoi. C'est pas tout ça, mais il faut se mettre en route si on ne veut pas se laisser surprendre par la tombée de la nuit. Mais on va quand même pas dormir ici? Raymond, réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe? C'est le moment, c'est l'heure magique. Ça pouvait pas attendre qu'il fasse jour? Ah non, c'est le meilleur moment. Ah, quel bonheur. C'est le trésor, c'est ça? Presque, on est tout prêt. Mais avant, je voulais que tu entendes le brame du cerf. Un cerf qui braille? Non, qui brame. C'est une sorte de cri. Tu vas voir, c'est formidable. Ah. Chut, regarde, là-bas au loin. Qu'est-ce que c'est? Une branche morte. Ah. Mince, j'ai cru que c'était un cerf. C'est bizarre, quand j'étais petit, il y en avait plein partout. Je me demande où ils sont passés. Bah, ils en ont peut-être eu marre de brailler dans le noir. Hein. Ah, c'est dommage. J'aurais tant voulu partager ça avec toi, fiston. Bon, ben, y a personne. On va peut-être y aller maintenant. Si mon père voyait ça, cette campagne était si merveilleuse quand j'étais enfant. Tous ces animaux qui venaient vous manger dans la main, ces cerfs, les singes qui sautaient de branche en branche. Oh. Les singes, les crocodiles, tout ça. Eh oui. Mais cela ne doit pas nous faire oublier la raison de notre venue ici. Le trésor? Tout juste. Et si je ne me trompe pas, il doit être exactement ici. Quand j'avais ton âge, un dimanche, j'ai enterré ici quelque chose. Le voilà! Exactement là où je l'avais laissé. C'est ça ton trésor? C'est mon carnet de voyage. Chaque fois que je venais ici avec mon père, j'écrivais mes impressions, je racontais mes aventures. Je m'étais toujours promis de le donner un jour à mon fils. Ah, c'est super, papa, vraiment. Ah, c'était une autre époque, tu sais, tous ces souvenirs. La campagne, c'est moche et ça pue. C'est toi qui as écrit ça? J'espère que jamais plus je mettrai les pieds ici. Il n'y a pas d'animaux, il fait froid et on mange des racines toutes pourries.
Dis donc, j'étais bien énervé. Je me souvenais pas de ça. Aujourd'hui, j'ai appris à faire un appôt. J'ai l'impression de souffler dans un bout de bois. Bon, c'est pas tout ça, mais maman doit nous attendre. Hein. Elle va finir par s'inquiéter. Je ne dis rien parce que ça a l'air de faire tellement plaisir à mon père. Tu me suis, Raymond ? Attends-moi, papa. J'arrive ! Regarde-moi ce ciel comme il est beau. C'était aussi beau quand t'étais jeune ? Non, Raymond. C'était beaucoup moins bien. Beaucoup moins.